Christian Berki, le Hongrois. Ouais, la révélation de l'année. Il a fait, je crois, tous les tournois de Coupe du Monde cette année. Il était à chaque fois sur le podium. Et là, il est chez lui. Il était sur le podium également l'année dernière au championnat d'Europe à Ljubljana. C'est parti, là vous allez voir la différence quand il va exécuter ses ciseaux. C'est le seul à monter pratiquement à l'équilibre. Ici une originalité, le Wugognan, voilà, balade complète du cheval avec rotation complète du corps. Seconde balade, léger te clibé, c'est-à-dire qu'il travaille sur la poignée, vraiment l'endroit le plus étroit. Et voici les ciseaux, regardez. Là, c'est impressionnant la hauteur qu'il met pour faire ses ciseaux. Ça, c'est le petit plus qui peut faire la différence. À ce niveau-là, les gymnastes partent pratiquement tous sur 10. Et je pense que là, ça va porter ses fruits. Oui, c'est très, très serré. Hein. Difficile à dire, évidemment. Le public a choisi. Ah oui, ça va. Bah. Il est chez lui. Hein. Ils aimeraient bien le voir gagner. Mais à niveau égal, je pense que les juges vont préférer son mouvement du fait des ciseaux. Eh bien oui, bien vu, 9,775. La différence n'est pas énorme, mais c'est donc Christian Berki qui est champion d'Europe au cheval d'Arçon. Urzica deuxième. Bon, personnellement, je ne suis pas totalement convaincu, mais bon, on va dire que Berki était meilleur aujourd'hui.